Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Au soir de l'année 2015 et en ce dernier dimanche du dernier mois, Marie-Olive Lembe Kabila est debout dès les premières heures du matin et décide de passer cette journée du 27 décembre au milieu de personnes qui ont atteint les crépuscules de l'âge et ont trouvé asile dans les maisons de retraite à travers la ville de Kinshasa. Maman. Mama, tata na bino wana yembela kibino. Mama, lokwa na moni yona moni nzambe. Amen. Mama, merci mama, merci mama. Ça va, mama. Nasa bien, bien, bien. Mama, Olive, salut à toi, mama na bino. Mama. Maman, depuis 2006, qui m'a vu sauter, mais maman, toujours dans la télévision, la radio, Sainte de force, le cœur débordant d'amour pour le prochain et les mains remplies des présents pour offrir des meilleurs moments au troisième âge, en ce temps où tous célèbrent la fin d'une année et l'arrivée d'une autre, l'épouse du chef de l'État démarre son apostolat à l'hospice Saint-Marc de Kingasani, Yasuka. Olive prend les rênes de la cuisine de cette maison. D'une casserole à une autre, elle offre l'image d'une mère attentionnée, toujours prête à servir. Entourée de tous les personnels de l'hospice Saint-Marc, les journalistes habitués à couvrir les événements mettent également la main à la pâte et la cuisine connaîtra une ambiance toute particulière. Amen.
Maman a tié moto, maïna moto, azo lamba fufu, alambi oyo nyonsa ye, nango atalisi biso ke solo, aza maman capable ya koboko la biso nyonsa na RDC. Totomboli RDC na biso, mokonzi ya mboka ye moko maman, merci, bon année, ba meilleur vœu. C'est au milieu de ces vieillards que la première dame de la République trouve sa place pour partager ce repas qu'elle a préparé d'une main d'amour. Après les avoir nourris, Marie-Olive Lembe Kabila va les couvrir. Des pannes super wax qu'elle remet personnellement à chacun créent la joie et une atmosphère des fêtes. De quoi exhiber quelques pas de danse au rythme des anciens succès, à la grande satisfaction de tous. De Kingasani, Marie-Olive Lembe Kabila va poursuivre sa tournée vers Kingabwa à l'hospice Bolingani, puis Bolingo, où les pensionnaires recevant son présent, constitués des vivres et des wax, implorent sur elle la protection du Très-Haut. Nzambe Ali Mokonzi, Ayoka Kimarubana Biso, Yangwa Biso Tobagagide, Biso Tuzaliba Papa Bakoko. Le sambo na biso e koma ka vite pa ya nzambe. Kosenga na biso e koma ka vite pa ya nzambe. Tala nzambe ye moko atidi mama Olive aye komona na biso. D'accord. Ezali tozali na isengo mingi. Tozana isengo mingi. Oyo mama Louise. Marie Louise o yokaka. O ba ye mama Louise aye so. Solo e gayo ayo. Dans la commune de Kinshasa, l'épouse du chef de l'État passera d'intenses moments de compassion avec les pensionnaires de l'hospice Saint-Pierre, où également elle a laissé les dons des vivres. C'est ici qu'avant de s'en aller, elle va rencontrer l'artiste Simaro Lutumba, venu pour sa part partager cette journée avec les personnes du troisième âge. Au home des vieillards de Kabinda, dans la commune de Lingwala, l'ambiance est tout autre. La commune de Kitambo sera le point de chute de cette tournée de Marie-Olive Lembe Kabila. Elle va accomplir le même geste pour offrir la fête à ses compatriotes. Thank you.
sasa hivi nzambe aliko continue mupembo et pas bien aliko tinda kaye comme makaye likia comme makaye stengo tambola ni romona ye kino ko koma ena nda na ya nzambe tala bosenga na mulimu na ye lokola peyeba na kuzongisa mukama na mukama ete nkolo mapambole maka ukate uta na ye kino na bakoko bakoko bikeke na bikeke ona lipambole na yo muto moko te apoyeba na kubutula ya de Kingasani à Souk en passant par Kingabwa, Kinshasa, Lingwala jusqu'à Kitambo, des foules compactes se mobilisent spontanément pour saluer le passage de la première dame. Seigneur, nous vous...